Qui objectif Satan dans le combat spirituel? Combat spirituel, là, Satan a pour objectif, c'est retenir les hommes sous son emprise. Kembe l'homme en bas pour voile. C'est objectif combat spirituel là. Elle dit Satan livre kembe l'homme en bas puissance li. C'est ça qui objectif Satan dans combat spirituel. Rendre plus homme captif, rendre plus mon esclave. Pour le faire ça, qui ça laisser faire? Li essayer vini avec une série d'éléments li connaît qui capable passionner l'homme. Me voulez nous là avec moi? Pas prêter en pile sur combat spirituel parce que me parler sur lui déjà ici hein. Li essayer vini avec éléments ça tel que li vini avec drogue, clairin, tabac, li vini avec plaisir et sexuel, on pas qu'autre bagaille. Ça veut dire c'est pour kembe moun nan en bas puissance li. Ou la même en dans l'église là pour qui ça texte a dit n'a mené un combat spirituel. Qu'on y a l'apôtre Paul a parlé, il dit pour chrétien résister en bas combat spirituel là, il mandé faut li fortifier. Et li parle de amour yo. Li dit faut capable utiliser amour ça yo. Apôtre Paul pendant la prison sous surveillance et non maison privée à Rome et puis il a gardé soldat romain yo. L'elle gardé soldat yo, li gardé toute armure et qui sous soldat yo et puis li tout profiter inspirer révélation ça. Li dit chrétien faut gagner ca salut. Ca saluant chaque jour chrétien doué à réfléchir, à penser avec les choses célestes. Passionnez-vous aux choses d'en haut. À la minute que chrétien a passionné aux choses d'en haut, qu'on y a là, ça a évité le passionné avec plaisir ici-bas. Chaque les chrétiens pas fait ciel objectif, il pas fait le passion, et bien qu'on l'autre bagaille qui prend le passionné. Paul dit, mon cher, si nous besoin goumen dans le combat spirituel, yon nan bagay nous besoin, yon nan amour que nous besoin, c'est yon casse qui pour occuper l'esprit nous, occuper tête nous, occuper pensée nous avec les choses d'en haut. Pour résister là, il mande ça. Et puis il dit, encore, nous besoin yon cuirasse. Cuirasse là, qui pour la pour protéger yon nan partie vitale de l'homme. Qui se poitrine ni, là où j'en poumon. Ou là? Et pour protéger poumon, pour on série de vieilles pensées, pas vin chita nan cœur. Yon série de vieilles passions, vieux amour, pas vin chita nan cœur, li dit protéger cœur. Li mande que pour chrétien protéger patrine ni, avec cuirasse de la justice. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ça qui a ajouté, il n'y a pas d'injustice là-dedans, il sorti, non? Diab. Chrétien besoin de résister dans le combat spirituel, cela veut dire ou doit être juste dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Depuis, ou pas ajouté ton bagage, diab rentré. Li gete rentré dans cœur avait dit parti et vital ça pour mon pas protéger cœur pas protéger ou pral ouais et une stratégie qui est contre qui le diable premier utiliser zam ça li vainc li c'est contre Ève. Tendez bien oui l'en dialogue là li dit Ève, est-ce que ou sûr c'est ça mon Dieu d'où li nous pas manger. À la minute que li fait ça, li gen ta susciter doute nan cœur Eve. Ça veut dire pour moi li gen ta frappé. Quel gen ta frappé. Ou pral wè ça croisé. Et ou pral ajouter quelque chose à l'ordre de Dieu. Sans bon Dieu pas dire. Bon Dieu dit
pas toucher. Bon Dieu dit pas manger, il dit pas toucher. Bon Dieu pas dit pas toucher. Satan ouais il dit il ajoute ton mensonge. Il dit va vraiment il va pas mourir, toucher le vous ouais. Il touche lui tout pas mourir. Ouais menti bon Dieu ba ou. Et puis à la minute que qu'elle va protéger, il commence à venir douter bon Dieu. Satan qui t'a fait douter bon Dieu poitrine il va protéger. Paul dit le combat spirituel c'est protéger poitrine. Protéger cœur avec la justice. Protéger. Et il dit si nous besoin vainqueur dans combat spirituel faut au moins nous protéger ceinture nous. Là c'est là ligament qui relie corps humain. Médecin qui l'a reconnu le passé, ça veut dire ligament qui relie corps humain, ça veut dire et si des pour perdre ceinture. Dès vous perdez saint ou pas gain équilibre. Avait dit depuis ou chrétien, li pas gain la vérité, pas gain équilibre spirituel. Depuis pas gain équilibre spirituel, diable ka rené ou pas ka camper bien. Ou a perdu combat spirituel. Et pas oublier dans combat ça, combat spirituel, texte a dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Avec des pas frères, bon côté m'a fait un bagaille là, et pas lié de mime. Mais c'est ça qui pousse le fait un bagaille là qui est mime. Et bien là, pour me protéger contre et vieux démon ça yo, dans le combat spirituel, faut me la vérité qui pour lier la vie. La vérité qui pour lier la vie. La vérité, li pas l'autre, li c'est parole révélée. Moins de prendre pour me faire li comme ceinture, non pour me mener combat spirituel. Moi dis nous pas prêter en pile zouli parce que l'âme besoin arriver. Mon l'autre, j'ai deux combats là qui intéressent pour me parler avec nous. Ils avaient m'a passé sous ça. Non, li mandé faut gagner. Faut gagner une botte pour nous mettre dans pied nous. Zèle dans la prière, zèle dans l'adoration. Est-ce que la même zèle dans lit la parole de Dieu. Faut que nous gagnions. Parce que à la minute que yon moun pas gagner activité ou dans l'évangile ou pas prier, ou pas besoin qu'on nous mener combat. Et de vous pas dans la prière, j'ai pas vendre. Donc li mandé faut au moins mettre botte là, qui c'est activité, qui c'est zèle. Ou doit gagner dans l'évangile. En sérieux, gen des moun ou pas besoin gros lunettes pour garder pour wè gen bagay moun n'a pas gagné. Monsieur, gen cantique k'ap chanter nou assemblé. Ou senti cantique la bralo, même l'autre dé, ou senti ou pas ka camper, ou senti ou voulez danser, ou senti ou voulez battre pied. Mais regardez pour un monde rester là, on y va marcher dans lit. Li là la gado nanje. Hein? Li là la gado nanje, là le camper de bras balancer la bralo nanje et puis quand il clap fort volant l'air, quand il clap qu'on y rete comme ça l'air quand il clap bouillant donc voulez danser. Même qu'on y a mais pour monde rester là, on y va marcher dedans. Ça son signe qui montre mon cher mon gon botte li. Il va gagner ça. Elle gon bagaille qui doit marcher dedans. Et il dit nous dégain bouclier la foi. Si nous pas gain bouclier la foi, gain en pile flèche enflammée ennemi qui frappe nous facile. C'est la foi qui pour faire bon Dieu dans confiance même les dans difficulté. C'est la foi qui pour faire connaître ça le dit avec bouche li même capable accomplir. C'est la foi qui pour faire me connaître pas qu'à douter bon Dieu parce que li bon. Li tellement bon même milieu flatter li rele le bon Dieu. Ça veut dire moi même qui petite li cap servil pas qu'à douter ti sac devant moi pour m'a douter li ka fait plus li konn fait plus déjà. La foi me fait toujours faire bon Dieu confiance dans toutes circonstances. La foi me fait me connaître bon Dieu pas jamais en retard dans vie. La foi me fait me connaître dans situation moi puisque me fait confiance, me pas qu'à déçu. C'est la foi.
à la minute que pas gagne la foi, mon cas victime facile parce que m'a douté. Donc ennemi en main comment il avance sur. Gardez zam. Un serviteur de Dieu utilisé comme contre ennemi. C'est David. Goliath dit comme ça, eh ben ou même ça tibiti, m'ta le faire bête manger là. M'bra le craser là, m'a briser, m'a faire bête manger. Qui ça David répond? Il dit c'est vous qui marcher sur ma goza, même qui marcher sur l'Éternel. C'est confiance ça de gagner pour nous vaincre dans le combat spirituel. Et l'autre bagaille, nous devons gagner la parole comme épée. Comme épée, c'est seulement âme offensive que tu as gagné. La parole. Jésus utilise elle. Et nous avons une conversation. Satan avec Ève. Il n'a pas utilisé ça, mais Jésus utilise dans Matthieu chapitre 4. L'homme ne vit pas seulement de pain. De Théonome 8. Mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça a son coup d'épée. Épée. Il continue encore. Il dit, ah, mais si petit bon Dieu, il y a en bas. Mais ça qui est écrit. Ouais, oui, Satan. Parfois, ils utilisent une série des âmes déguisées. Ils disent, mais ça qui est écrit, bon diable, baïsan, il a l'autre bouvezou. Mais qui ça, le Seigneur Jésus répond. Ils disent, mais ça qui est écrit tout. Ou pas qu'à tenter, Seigneur bon Dieu. Mais sous pas qu'on a parole, ou à mener combat spirituel, ou à victime. Donc, en fait, bien aimé, puisque des mots, ce sont des esprits invisibles. Yo pa gen un cochanel. Donc, yo manifesté sous plusieurs formes, visibles et invisibles, mais nous-mêmes, nous devons toujours gen amuyo pour nous capable affronter yo. Et c'est ça apôtre Paul détaillé dans Éphésiens chapitre 6 là. Deuxième combat chrétien là pour mener ce combat contre le péché. Le combat contre le péché, qui objectif Satan? Objectif Satan, Satan désirait reprendre ses droits sur ceux qui ont arraché à son esclavage. Satan, le combat contre le péché, il y a un objectif li, c'est moun qui te sorti en bas men yo le jour de la conversion et puis prend yo pour faire yo retourner en bas men encore. C'est objectif Satan dans combat ou ap mener contre le péché. Combat ap mener contre le péché, ça veut dire c'est résister ou pral résister pour Satan pas retraîner ou encore dans malpropreté ou t'es dans le monde. Eh bien, comment Satan agit? Donc, pour Satan agit pour le combattre, un chrétien, et un chrétien dans sa le combat contre le péché, il utilise la chair. La chair, c'est outils liés dans main. La chair, c'est outils liés dans main. C'est lui-même à travers par la chair. Li essaye à faire nous broncher chaque jour dans chemin. La fait chrétien broncher. Fait le tomber dans ça. Li lever le tomber. Dans ça, la mener une vie tomber lever. Donc, c'est là serviteur a dit n'a mener un combat contre le péché. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Les Satan essayer avec combat spirituel là. Li essayer li ou bien armé et bien li traverser la mener combat en dedans. Pas un élément créé la chair. Ah, la chair nous toujours expliquer gagne deux types d'hommes qui existaient dans le monde selon la Bible.
c'est homme sauvé et homme non sauvé. Homme non sauvé, yo, la Bible balbise non. Lire l'homme adamique, lire l'homme naturel, ou là, tout ça, yo, c'est non la Bible baye homme non sauvé. Ya. Et pourtant, dans homme sauvé, yo, et Corinthiens chapitre 3, le verset 1 a continué, il y a deux types de hommes sauvés. Pour mon alors dans deux types là, il y a homme charnel et homme spirituel. Il montre son état homme sauvé. Parce que l'apôtre Paul dit l'église Corinthe m'a écrit nous comme des enfants en Christ. Avec si en Christ sauvé. Mais nous encore charnel. Et puis il a fini de continuer les caractéristiques de la chair. Dans Romains chapitre 8, Paul baille trois grandes caractéristiques de la chair. Il dit la chair pas jamais bonne. La chair pas jamais agréable envers Dieu. Il dit la chair jamais plaît à Dieu. La chair pas jamais soumettre lui devant mon Dieu. La caractéristique ça. Alors première étape là pour mon sortir dans état homme. Et non sauvé pour entrer dans l'état homme sauvé, ça fait par la foi. C'est Saint-Esprit qui ôte tout. Mais Saint-Esprit lui intervenu dans la vie yon moun qui décide converti. Alors décide qu'on est bon Dieu. Et puis Saint-Esprit intervenu dans la vie lui posé quatre actes simultanément. Avait dit pour moun sortir dans l'état homme non sauvé pour rentrer dans l'état homme sauvé. Premièrement, on pas gêt en détail ça, c'est passé n'a passé sous lui. Et premier bagage c'était sous fait, il régénérer nous. La régénération est l'acte de l'esprit en accord avec une nature divine à celui qui croit. Jacques dit ça fait pas la parole, il nous a engendré et ça Jacques 1er verset 18, il nous a engendré par la parole et par la vérité par la parole permanente de Dieu et vivante de Dieu. Donc, c'est cet esprit qui fait, parce que c'est lui qui a une mission pour convaincre l'homme de péché, de justice et de jugement. Est-ce que nous là? Cet esprit qui a une mission ça. Et ça fait Jésus dit, si vous avez un problème avec cet esprit, vous avez tout problème. De vous avez un problème avec cet esprit, vous avez tout problème, parce que c'est lui pour et lui qui fait travail ça. Et lui qui convainc l'homme de péché, de jugement et de justice pour convertir. Quand il y a les gens qui sont convertis, lui délivrer de la pénalité du péché. Mais ça lui l'impoco encore complet. Il délivre des peines péché à qui sait tout le monde l'a fait. Mais puisque ça lui a trois étapes là-dedans, c'est délivrer de la pénalité du péché, c'est délivrer de la puissance du péché, c'est délivrer de la présence du péché. Est-ce que l'église a la même? Qu'on y a, les mounes et cet esprit touche qu'elle. Il convainc, il prend conscience, il convertit. Quatre actes simultanément, ça vous fait. Saint-Esprit intervient, il régénère. Deuxièmement, Saint-Esprit il baptise. Ça crée le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, après, les gens n'ont pas en langue. J'aime bien plus le monde dit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que Dieu nous fait membre du corps de Christ. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit nous rentrer dans la famille de Dieu. Et c'est Dieu qui prend nous, il immerge nous en Christ. C'est baptême, ça a sauvé. C'est le baptême du Saint-Esprit qui sauve, le baptême de loi. Baptême de loi, c'est tout simplement résultat travail baptême Saint-Esprit à faire un croyant. Et parce que me baptiser du Saint-Esprit qui fait me commander baptême de l'eau. C'est le, nous l'avons. Mais, après Saint-Esprit, fin baptiser mon nom, l'y habiter. Nous venons habitation de Dieu en esprit. Avait dit, Jésus, il est toujours habité nous, Dieu le Père habité nous par la parole, alors à travers la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est ça que l'apôtre Paul relaye au mystère. Parmi 10 mystères, nous avons un enseignement sur 10 mystères bibliques, parmi 10 mystères, ça c'est Yuna dans eux. Ça veut dire, comment nous comprenons Dieu porte nous en dedans, nous porte bon Dieu en dedans. Sous mystère, ça y est. Ça veut dire nous chaque là, nous sommes théophores, nous sommes christophores. Nous portons bon Dieu en dedans. Ça, c'est un mystère. Donc,
les chrétiens fin habité et c'est ça apôtre Paul parler dans Romains chapitre 3 li font quatrième bagaille li c'est les nous même j'en dis dans Éphésiens chapitre 4 verset 30 là li c'est les nous avec le sceau de Dieu sceau d'appartenance sceau ça li visible dans vie nous devant toute vie des morts qui dit nous appartient à Dieu nous pas pour Satan encore nous appartenir à Dieu. Donc quatre bagages ça on dit au fait simultanément avait dit ensemble Saint-Esprit est venu la venir nous poser. Qu'on a là nous fin sauver qu'on a pas le côté où Satan là nous fin sauver ça qu'arrivé nous sauver de la pénalité du péché mais nous pour qu'on sauver de la puissance du péché. À la minute que chrétien fin sauver où elle est sous en prise la chair c'est un signe qui montre que li en bas puissance péché a. Li pape domine pas peine péché a qui c'est la mort, mais li en bas puissance péché a. Qu'on y a pour chrétien pour sortir en bas puissance péché a, c'est vrai tout ça est opposé par la foi, mais c'est cet esprit qui vient agiter dans la ville. Cet esprit vient agiter dans la ville, agiter et parler mon n'a tremblé pas ça ne dit non. Cet esprit vient agiter dans la ville, cet esprit prend dimension dans la ville pendant la chercher mon Dieu dans la consécration, pendant la chercher mon Dieu dans la lecture de la parole de Dieu, cet esprit agité en ville. Et à la minute que cet esprit agité dans la ville, finalement péché cap dominer la pas pouvoir sous encore. Nous délivrer de la puissance du péché. Satan essayait combattre chrétien avec puissance péché qui c'est la chair. Et puis nous venons pas en bas domination la chair encore. Donc en fait, puisque Satan servit avec la chair pour dominer chrétien, vous allez comprendre que tentation yo en pile et chaque temps chrétien en danger de péché. Tout pendant sous la terre est en danger de péché. Donc pour nous résister contre manœuvre diable fait pour combattre nous par la chair, il y a un élément clé, il y a une âme clé pour nous mener combat ça, c'est par la prière. C'est par la prière. Donc même j'avais pas foi, il prend temps pour le dire. Mais combat l'a mené pour l'église là, par la prière. Et Paul dit ça. Il dit l'église, hein? Il dit l'église Philippe, mon cher, mon combat m'a mené pour nous, par la prière. Cela veut dire pour combattre la chair, c'est rester dans la présence de Dieu. Qui c'est une lumière inaccessible. Nul ne peut voir. Est-ce que nous l'avons? Lumière inaccessible, ça chaque l'on en présente, bon Dieu. Vie volume la chèque en dedans a diminué. Je vais dire un bagaille. Même Jean Christ, je me rappelle que je me disais là. On a parlé de pardon et de délivrance, pas ça? Nous l'avons? On t'a dit que pour le péché en Adam, pour le péché en Adam, péché nous hérite en Adam, est-ce que délivrance nous besoin ou ça pardon? Non, nous besoin de délivrance. Et pas pardon besoin. Nous besoin de pardon pour ça n'a pas commettre chaque jour. Ça n'a pas commettre chaque jour les péchés, nous besoin de pardon. Mais pour ça nous y en Adam et délivrance nous besoin. Christ vini, il nous a délivré. Est-ce qu'on l'avait? Donc, qu'on y a, puisque Christ libère nous en bas puissance péché. Hein? Donc, nous pas qu'à retourner esclaves encore. Et c'est exhortation ça. Apôtre Paul, ni l'église Galate, ni l'église Corinthe. Il dit nous pas qu'à retourner esclaves encore. Une fois que Christ libère nous, nous ne pouvons pas tourner esclaves encore. Et Satan lui-même dans le combat contre le péché, il voulait venir faire esclave. C'est l'objectif, faire l'homme venir esclave péché. Même l'église a mon esclave. Même dans l'église, on a toute activité, mon son esclave.
Jésus dit esclave là pas fait partie mon caille pour longtemps. Et c'est ça que fait esclave là, il tellement pas fait partie mon caille pour longtemps, on matin là au Kawel gon bon moment, il t'a passé un bon moment d'adoration, il t'a ca chanter ton cantique. Demain si Dieu veut pas ca chanter encore. Parce qu'il pas fait partie mon caille là pour longtemps. Il pas fait partie maison mon Dieu pour longtemps. Il pas fait partie élite sanctification pour longtemps. Est-ce que nous là, il pas fait partie élite sanctifiée pour longtemps? Parce qu'elles sont esclaves. Et finalement, avec pouvoir lâché, nous besoin délivrer de la puissance du péché. Donc, pour nous combattre contre le péché, et auteur li exhorte nous, li dit nous faut nous résister. Résister jusqu'au sang contre le péché. Dans Hébreux chapitre 12 verset 4 là. Résister pour mener combat ça, résister pas ça t'a toujours essayé pour le prendre mais non là-dedans, résister. Ou est bouche ouvre dit mauvaise parole là, résister. Péché à camper devant ou elle belle, c'est vrai, résister. Ou a souffri la jambe belle devant, c'est vrai, ou ta volo, résister. Yes. Même les mauvais la vie a battu, résister. Il n'y a pas le mal. Résister. Jeune fille, c'est vrai, joue à marcher sous. Ou pourquoi est-ce que vous avez dit, hein? Résister. Le combat spirituel, diable voulait venir faire nous esclaves. C'est objectif. Il faut retourner dans ce côté avant. Il faut retourner dans sa bonne Dieu te délivré. Chrétien a mené combat ça et sous genou li menel. Sous genou ou a mené sacré le combat contre le péché. Nous n'avons pas encore lutté. Mais son combat lié jusqu'au sang contre le péché. Jusqu'au sang, oui. Jusqu'au sang. Lutter, résister. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le combat contre le péché, mais secret. Texte a dit de vous résister, diable va aller loin. Parce que l'Elvin, il vient avec André. Et l'Elvin, oh, ou bien il a belle bouffée lui. Oh, il a belle bouffée lui. Il a belle bouffée lui. Il a belle bouffée lui. Il faut être café. De vous commencer, m'ta fait, il ou a m'ta. Li jwenn nan kote li rentre. Et même j'ai avec moun k'ap fè tibotay. Lè moun n'ap fè tibotay, a ki est-ce qui fè tibotay la? A moun ki remè tandil. Dès pou commencer parler et puis moun nan ou a parler, ou a dit oh, c'est comme ça li vrai, comment elle fait le vrai? Et ouais moun nan commencé dou, c'est comme ça elle fait oui. A li ou gen appétit pou tande et mèl gen appétit pou le parler. Mais depuis ou pa gen appétit pou tande, li même tout le pa gen appétit pou le fè tibotay. Est-ce que nous là? Gon histoire qu'on ça il gon servante qui tonne dans l'église. Sale fond dans l'église, il va aller mal. Va aller mon mal. Ou pas grand rien qui passe dans l'église, elle va connaître. On le il vient côté pasteur, il dit pasteur, il dit ou gen l'est pas gen contrôle Saint-Étel. Il y a ça c'est la femme de l'église là. Mes amis pasteur, li bail pasteur attendez. Pasteur a dit bien aimé ça c'est la affaire, li pas bon. Mais nous pral prier pour lui. Parce que avec la prière qui a changé. Mais pasteur a dit puisque c'est où tu es là avant. Prière important pour lui. Il dit pasteur a sorti en dehors l'église a te gagne une série de et petit dans roche dans la cour. Il dit puisque c'est où tu es
gen prier pour nous faire ses sous genoux pour nous aider. Il dit mais ou t'es ou sous genoux m'a camper. Konya il dit mais OK passé, ça important soit dit faut nous prier pour lui pour ça tel genre. Il dit mets ta genoux. Pendant le mets ta genoux pasteur chanter cantique, chanter cantique. Konya elle regarde le ouais c'est à il lève genoux ça, il lève l'autre là. Pasteur cantique, cantique, cantique. Le pasteur a fini à chanter cantique, pasteur a commencé à prier. Mes amis prier. Il a laissé à garder le genou à casser vrai, il descend, pasteur a prié. Pasteur a prié. Qu'on y a et puis pasteur a dit c'est garder on continue. Il a laissé garder le genou à casser vrai, il est dans deux dents, trois dents. Il sous genou, il lève gel comme ça le pasteur a fermé gel, il pas il filer là. Il pas jamais fait du botay l'église encore. L'équité. L'équité. Donc, en fait, mes frères, mes soeurs, dans le combat contre le péché, le texte a dit résister. C'est résistance liée. Il m'a demandé de nous résister. Donc, une fois que nous résistons, dans la salle à mettre devant nous, nous, au lieu de nous divier paroles là, chantons cantique. Ma paix marche seul avec Jésus. Alléluia. N'ayons encore mignon divin. Le monde pas capable de faire plaisir. Moi pour Christ et Christ. Ma paix marche, ma paix marche, seul avec Jésus. Alléluia. N'ayons encore mignon divin. Le monde pas capable de faire plaisir. Alléluia. Il y a des bagailles. L'autre ou paraît devant. Ou vous voulez pas les lettres, chantons cantique. Il y a des situations où est plongé ou qui voulait plonger ou pour retourner dans sortir ou pas avant. Pour un genou. Résister dans la prière. Est-ce que chrétien yo par contre fait expérience ça? Gen ba kap vin dans l'esprit ou al pas son moment avec bon Dieu là sorti dans moment ou sont arrivé dans moment ou garder leur retourner on pas ça que t'a pas mal t'a pas dans l'esprit ou elle. Nous pas comme ça? Résister. C'est ça pour nous combattre contre le péché que le diable utilisait pour raison ça qui c'est la chair. La chair en puisque texte a dit il pas jambon il pas jambon agréable et puisque l'essayon virus qui dans nous Satan connaît pour raison ça existe dans nous il connaît la chair il connaît même l'en converti il pas détruit il connaît il lassé endormi l'endormi on va l'expliquer un autre bagage qui pour nous plus bien comprendre l'homme à la minute que yo fin péché en Eden et prison qui descend dans l'homme là. Est-ce que quelqu'un qui fait expérience ça l'homme pour manger qui est embrasonné me vive expérience là parce que yo ban brason déjà yo te ban brason dans l'église d'aller dans l'église et pendant me rivé l'église on te gon équipe avec moi et puis le Seigneur te voye nous à libérer une jeune demoiselle Satan et te voulait manger une jeune infirmière et c'est un grand tabernacle et qui pas n'importe où presque là on va faire citation pour une raison et puis elle nous yo recevoir nous dans caille côté recevoir nous et puis yo ba nous caille là yo ba nous caille là caille là gain étage yo ba nous caille là net nous loger mon yo dans caille.
Et puis moi font petit coucher en l'air pendant me font petit coucher et puis mon petit dormi qui passait dans Dieu et puis nous t'ai fini manger à manger une manger en partie et puis chaque monde qui t'ai mangé après pour manger plus tard manger pas maintenant il était dans bol moins couvert sous table normalement mais qu'on est tout gen bagaille qui mande expérience l'évangile c'est expérience. Je ne peux pas comprendre ça. Parce que même depuis un monde dit dans la foi, je me fais en pile confiance. Et je prends pile coup. Et en fait, mon apprenti est sorti, mais c'est des frères et des sœurs avec en pile confiance que nous faisons. Et puis, pendant que je couche en l'air, et puis, moi, mon parti dit, fais-le pas manger, mange là, nous, il y a un brasonné. Je comprends que, bon Dieu, pas responsable, manque d'intelligence, nous. Et ça, je comprends. Quand il y a un relais servante qui était ensemble avec moi, je dis, pendant que je couchais là, mon personnage paraît, il dit, pas manger, manger, je vais. Et puis, le servante dit, mais ok, pas manger, manger. Mais qui ça m'a fait? Même côté à Algérie, j'étais mangé. Et puis, je me recouchais encore, dormi pour moi. Un après-midi, tout le monde va manger, je vais manger tout, m'oublier, voilà, comme ça. Même le servante l'a oublié. C'est pendant que je suis sous table là, et puis, pour le premier qui vient manger, pour le deuxième, le servant a dit après, manger, manger, bon Dieu, tu vas manger. Et laisse ça me songer. Même si tu es sous toi qui vient manger. Et puis, sous table là, avant de faire mal, je sous table là, je ne vais pas me déplacer. Pendant que je suis sous table là, je vais faire ça comme ça. Il vire, il vire, il vire, même si je ne vais pas résister encore. Et puis, là, nous prions le Seigneur, il dit je ne vais pas quitter le monde, je ne vais pas payer ça. Et je suis toujours aimé les gens qui te vivent, sans ça. Ils ont expliqué le plus bien que moi. Parce que les gens qui même expliqué, ils ne pas comprendre. Mais l'expérience que je fais pendant au respect, je vomi. Le gars de vomi est comme si bout de trip a sorti dans le vomissement. Et si je vomis là, il n'y a pas de monde qui a arrêté là. Je dis, depuis que je vomis là, il y a des gens qui a arrêté tellement au dehors. Petit bagage petit. Je me fais plusieurs jours comme ça, lamenter, un peu le monde, pas trouver la vie pour moi parce que. Et puis, je prie mon Dieu, et puis, je connais pas gagner, mais c'est désobéissant, ça me fait, bon Dieu, qui t'aime payer. Et les moins, je me fais un premier jour, deuxième jour, et je me rappelle moins, un deuxième jour, je me fais un audace, je ne veux pas l'église à problème, je m'allais à l'église là, et je vais à l'église là, et je vais mon micro, je me fais. 10 minutes, j'ai mis quoi aller, je ne suis pas capable de passer à comprendre ça. Et jour pour me guérir, sur le troisième ou quatrième jour comme ça. Et puis, un moment, on a passé dans la présence de mon Dieu. Et puis, le Seigneur a utilisé mon bien-aimé servante. Il dit, vous mettez campé pour adorer. Pendant que je suis sur un sac comme ça, je me couche avec le ventre fait mal, je ne peux pas résister. Je veux que je me campe, le ventre fait mal, là, tout coupé. Je me guéris là, voilà. Donc, ça veut dire expérience nous l'emprison les prisons tombé dans on manger après quelques temps manger à calever nous parlons de ça. Et bien c'est même gens péché son prison son virus lié l'elle tombé dans l'homme en Éden péché à les calever dans l'homme. Ça veut dire vers ça yo toujours dans l'homme même l'homme vient converti vers ou pas mourir. Qu'est-ce que l'église a là avec moi? Veille ou pas mourir, yo là, yo endormi. Parce que yon présence qui n'en vie ou qui fait veille ou pas manifester. Mais de pour kate présence là, même pendant quelques minutes, ou ka di yon bêtise. On gren nan veille ou ka monte. Yes! Yon gren nan veille ou ka monte. Cela veut dire, le ouè, puisque Satan connaît, li connaît veille sa yon en dedans. C'est la chair, oui. C'est lui qui est la chair. Il converse à dans où. Et bien, quand il y a, il utilise même ennemi qui est dans où, qui c'est la chair. Il active pour être capable de détourner de la voix de Dieu. Donc, quand il y a pour résister, pour verser, toujours être endormi, pour qu'il servir bon Dieu bien, il faut qu'on soit dans la présence de Dieu. Et ça fait, quel que soit leader, quel que soit le monde, de vous pas arrêter dans la présence de Dieu, ou qu'il commette des vies qui puissent sale là. C'est la présence de Dieu qui peut faire veille. Pas monter. Donc, pour continuer,
Nous voulons fort comprendre que il y a un facteur clé pour résister dans le combat contre le péché, c'est résistance. Et troisième combat qu'on a mené, c'est combat pour la foi. Dans le combat pour la foi, qui ça Satan essaye de faire dans le combat pour la foi? Il essaye d'empêcher les croyants d'entrer dans les lieux célestes par la foi. Il empêche les croyants d'entrer dans les lieux célestes par la foi. Amen. Comment un croyant capable bloquer pour ne pas rentrer dans les lieux célestes? Pas oublier, apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, lui montrer que nous-mêmes étant glorifiés dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que nous l'avons? Dans Éphésiens, moi Christ a tellement répété, apôtre Paul répété la pile fois pour lui montrer position nous en Christ dans les lieux célestes. Donc, en fait, dans les lieux célestes en Christ, il y a un paquet de privilèges croyants gagnés. C'est en Christ, nous avons pile bénédiction, nous joignons en Christ. Par exemple, en Christ, nous sommes pardonnés. En Christ, nous sommes rapprochés de Dieu. En Christ, nous sommes saints. Ok? En Christ, nous avons tout. Parce que le texte a dit, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Mais comment qu'on y a croyant, si le texte a dit nous avons tout pleinement en lui, pour qui ça y a un croyant pendant l'abservi bon Dieu, il est encore esclave. Ou soit pour qui ça, croyant, démon, bon série de en prise, li mette sous lit. Donc, on y a nous pral essayer regarder ça qui cause. Let pour croyant, alors pour Satan combattre un croyant, et pour ne pas mener combat pour la foi, il y a plusieurs facteurs à utiliser. Premièrement, il utilise faux enseignement. Est-ce que vous avez? Il utilise faux enseignement. Et faux enseignement dans le combat pour la foi, il y a un pile monde qui était bien commencé dans l'évangile qui détruit. Satan pas détruit dans le combat contre le péché, il pas détruit dans le combat spirituel, mais il détruit dans le combat pour la foi. L'église a nous la même. Et les m'a gardé histoire dans Actes des Apôtres chapitre 6. Gagné 7 diacres. Nous jouons un bon témoignage de yo. L'église a la même. Apôtre dit qu'on ça pour Jack ça yo. Pour yo reconnaître comme Jack, il y a 3 éléments clés au besoin. Fuck. Yo gen un bon témoignage. Ça veut dire faut tout monde l'église a connait yo chrétien. Finalement Jack sa yo joine qualification ça dans yo. Yo dit faut yo rempli de l'esprit. Yo joine 7 Jack sa yo rempli de l'esprit. Avec 2. Yo doit joine rempli de sagesse. Tandis que Jack sa yo rempli de sagesse. Ça veut dire Jack sa yo plein avec bon Dieu. Est-ce que nous là Jack sa yo plein à gondi. Pour mener un bon témoignage, ça veut dire, c'est Jack yo remporté la victoire sous combat contre les péchés, quoi que ce combat qui continue pendant tout le monde vivant. Mais ouais, c'est des vainqueurs. Parce que texte a dit, yon un bon témoignage. Moun pa ka dit, yo te dit bêtise, yo te fait mal propriété. Est-ce que l'église a là? Pour mener un combat, ça veut dire, contre l'âge, contre le combat spirituel, texte a dit, moun sa yo rempli de l'esprit. Ça veut dire moun kap marcher par l'esprit. Jean Galates 5 verset 25 dit si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça veut dire moun sa yo tap marcher par l'esprit. Église là. Texte a dit yo rempli de sagesse. Si moun sa yo rempli de sagesse, l'on a comprendre sagesse, la sagesse de Dieu, qu'on y a sagesse là tellement d'importance, ou a pour être auteur qui écrit proverbe là, li personnifier la sagesse. Finalement dit la sagesse t'est créée avant toute bagaille.
sagesse gagne grande importance. Les chrétien possède sagesse. Texte ça même dit sous pas gagner prier mandel. Et ça Jacques dit sous pas gagner sagesse c'est pour prier mandel. Parce que c'est une dans don parole de sagesse qui est important. Parce que c'est parole de sagesse qui apprend nous quoi qui ça pour faire dans chaque situation. À chaque don gagne bio gagne objectif yo. Parole de sagesse c'est lui même qui pour faire ou comprendre comment pour agir dans chaque situation. C'est bidon ça. Tandis que sept Jacques ça yo rempli avec sagesse, yo gen beau témoignage, yo rempli de l'esprit. Mais les mal garder histoire me fouiller pour me chercher konnen gon youn na dans l'an Jacques yo, yo te relé Nicolas. Église à la même. T'assembler d'après l'histoire, c'est même Nicolas ça qui font nos foi des fois. Qui t'est bien commencé? Et puis il commençait à abandonner la foi, il commençait à faire faux enseignement. Et il devient un paquet chrétien. Et qu'on y a mais Jésus qui s'est parlé avec des apôtres, il dit prends garde avec Ève Nicolaïte. Passez loin, courir loin. Allez, il a commencé bien, il a chaviré, il n'a pas qu'à mener le combat de la foi. Et finalement, les victimes, les tombées dans le fond enseignement. Donc, à la minute que chrétien les prend bas un fond enseignement, les perdit privilège ça, toute bénédiction pour ta joindre en Christ dans les lieux célestes, il va qu'à vivre. Il pas qu'à vivre. Donc, là. Combat pour la foi, qui ça Dieu veut de nous? Qui ça Dieu veut de nous? Lui veut nous kember la vérité. Lui veut nous garder la vérité dans cœur nous. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Avec dit pour chrétien résister dans combat pour la foi, faut qu'il emmagasine la parole. Emmagasiner vérité, emmagasiner enseignement, emmagasiner. So attendez de yon moun bon Dieu placé pour mener. Apôtre Paul cite plusieurs dans messieurs qui ont tombé. Diable fin avec eux. Dans le combat pour la foi. Il parlait de Alexandre, il parlait de Hyménée, il parlait de Fiel. Il dit monsieur, ça a eu chaviré. Nous faisons nos foi de foi. Apôtre Paul, dans fin ville, puisque il résistait pendant la prison, et tout ce qui ça, monsieur, a cherché pour le faire, abandonner la foi. Détournant de la vérité, dit Jésus, par contre, est encore. Et finalement, apôtre Paul résister. Et puis il finit résister. Et puis il dit Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Yes, j'ai achevé la course. Avant lui exhorter Timothée. Il dit Timothée dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Il dit Timothée, mon enfant, combat le bon combat de la foi. Résister avec faux enseignement. Résister à faux Christ qui a présenté nous. Résister avec l'évangile postérité. L'évangile avec toute faux. Résister avec toute faux l'évangile. Il n'y a pas qu'à mener de la gloire. Il n'y a pas qu'à faire vivre la réalité bénie. La présence de Dieu. Amen. Yes. Donc, nous appelons bien-aimés pour nous combattre. Puisque nous recevons une responsabilité pour nous remplir fidèlement le service que Jésus-Christ nous a confié. Tout leader, c'est combat nous. C'est combat à Potamel. C'est combattre tout apôtre quand dans le pays.
Ce combat, tout pasteur sérieux, menait le combat de la foi. Résister, même les appels au mal. Résister, même les souffrances. Souffrance pas qu'à faire mal dans le pays étranger, les m'vina qu'on l'évangile pépé. Les m'vini, yo bam rad pépé, yo bam costume pépé, soulier pépé, m'vina qu'on l'évangile pépé tout. Non. Donc, apôtre Paul dit à Timothée, mon enfant, combattre le bon combat de la foi. Hein, Timothée chapitre 1 verset 18. C'est-à-dire, maintenir la saine doctrine. Sans apprendre de moi-même, confier à des hommes fidèles. Sans apprendre d'apôtre Amel la fleur. Pendant la mené, confier à des hommes fidèles. Pas faire le contraire. De pour faire le contraire, diable guettant, bréau. En fait, frère Semyo, nous là pour nous combattre, pour nous mener combat de la foi, pour nous remporter le prix. Et qui prix de la vocation céleste. Et texte a dit, prix de la vocation céleste là, qui côté lié en Christ. C'est pour nous résister, pour nous remporter le prix de la vocation céleste. Et Timothée vient comprendre. Pour remporter le prix de la vocation céleste, il faut garder la foi. Il faut garder la saine doctrine. Ça va prendre des moins confier à des hommes fidèles. Amen. Ça va prendre des moins confier à des hommes fidèles. Mes frères, mes sœurs, nous sommes chantés Taléa, il nous livre avec la geste. Les meilleurs de son trésor. Christ est disponible par la foi pour faire nous vivre réalité bénie qui dans lui. Et si vous avez fait l'évangile, vous avez des réalités bénies pour vivre en Christ, c'est que vous pouvez mener le combat ça. Vous pouvez vaincre le combat ça tout bon. Il faut nous résister. Toute doctrine que nous recevons par la foi, gardez-vous dans nous. Tout enseignement nous apprend, gardez-vous. Chaque le ouais, un chrétien a enseigné par un homme de Dieu que bon Dieu placé. Gardez-vous, elle commence à détourner d'enseignement, arriver quelque part, il joint au monde, à ballon l'autre bagaille, il commence à prendre, aller. Laisse le faire nous foi de foi. Diable victime ni, vous comprenez? Diable assassinel. Yes, qu'on n'y a pas qu'à vivre privilège ou réalité, béni ça, dans les lieux célestes en Christ. Il n'est pas capable de vivre. Gen bagay de pire ou pas mené yon bon combat de la foi, ou pas qu'à vivre sa bon Dieu yé dans vie. Dieu réel, mais le moun ap gade vie ou pas pour réalité bon Dieu. Parce que ou pas résister. Parce que vous pas d'accord pour garder la vérité dans le cœur. Si vous pas d'accord pour garder la vérité dans le cœur, moi je dis encore, diable victime. Ma couille. Alors, puisque nous là pour nous garder l'ensemble de doctrine chrétienne dans le cœur, Jude lui exhorte nous. Dans Jude verset 3, pour l'abdi nous combattre pour la foi. Et qui a été une fois implanté dans qui ça? Dans Saint Yo. Qui était enseigné à nous-mêmes, qui était implanté dans nous. Et quatrième combat, c'est combat du prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste, que nous avons essayé bien expliquer, qui ça Satan voulait faire. Satan li vle pour le ravir. Alors Satan veut ravir à celui qui est entré dans l'île céleste
la jouissance des richesses qui sont. Satan objectif li dans combat du prix de la vocation céleste, c'est faire ou pas qu'à vivre tout privilège lié céleste la gagner, tout privilège pour jouer en dans l'évangile, là y a une dimension. Wow. Et nous pral font y parler. Nous comprenons Ephésiens chapitre 6, ça, les bails des méthodes pour mon vainqueur dans le combat spirituel. Donc, nous prenons une réalité biblique pour nous expliquer ça. Nous d'accord, les Israël a sorti en Égypte, mes frères et mes sœurs. Nous d'accord, le grand combat Israël, c'est pas pendant le désert. Vous d'accord avec moi? Puis grand combat Israël, t'as remis nous prêter attention oui. Puis grand combat Israël c'est pas pendant le désert. Même l'aile dans le désert, ouais avant de déplacer gon pharaon, nous va expliquer ça toute réalité spirituelle qui gagne, il y a quatre adversaires qui pral camper devant Israël. Yo gagne réalité yo dans la vie nous les chrétiens. Premièrement gagne pharaon. Pharaon li empêcher peuple là déplacer. Ou là? Il dit li empêcher nous traverser, ça veut dire la mer rouge devant nous, mais la, à tout prix, il décide pour le faire nous tourner. Il dit réalité spirituelle qui gagne dans la vie en chrétien, c'est le premier combat spirituel là. Ça veut dire pharaon représente le premier combat spirituel en chrétien. Ça veut dire alors combat spirituel chrétien. Premier combat nous s'est expliqué là. Il représente pharaon qui empêche de traverser la mer rouge. Mais après Israël fin traverser la mer rouge, gon l'autre adversaire qui vient barrer le sout là, c'est Amalek. Nous allons expliquer ça tout à l'heure. Et après, gon a fait des murs Jéricho. Tout devant nous les chrétiens. Mais qu'on y a ça ou pas qu'on rien toujours. Mais qu'on y a et plus grand combat chrétien Israël, c'est pas dans le désert, mais plus grand combat Israël, c'est combat du Canaan. Pour rentrer en possession. Pour combattre tout roi qui te gagné sous tes pour rentrer en possession. Mais plus grand combat là. Plus grand combat yon chrétien, ou la même, c'est pas combat spirituel là, non, soit. Plus grand combat, c'est pour vivre tout privilège qui gagne en dans l'évangile bon Dieu relo là. Et c'est pas un pile monde qui rive dans combat ça. C'est pas un pile monde qui rive là-dedans. Nous allons expliquer ça, prêtez ma attention s'il vous plaît pendant un petit temps pour tendre réalité ça. Donc dans progrès Israël dans le désert, Dieu n'a pas de problème avec lui. Nous, elle est sortie Canaan, elle est sortie en Égypte, il y a plein. Dieu n'a pas dit rien. Il a fini de traverser la mer où je tombe plein. Bon, Dieu n'a pas dit rien. Parce que pour qu'on gagne la parole, pour qu'on gagne la loi, parce que Israël et Moïse ont parlé de bon Dieu. Il n'a pas même gagné ça, bon Dieu. On a finalement fini de traverser. L'elle rive. Il rive ses fonds, il y a plein, règle plein. L'elle a fini de traverser la mer où je crois que. Yo vivion gros prodige comme ça l'histoire t'a expliqué peuple a prend 23 heures pour traverser la mer. Yon canal li tellement grand et 23 heures yo prend pour yo traverser la mer. Et mer ça Israël va traverser d'après l'histoire yo dit li mesurer 400 000 mètres de profondeur. Et yon nan canal qui plus fond au monde. Et comment ka comprendre mystère ça? Bon Dieu, fan canal là, l'écraser toute roche quand bas canal là, même pour chariot passer. Quand y a la lei Israël vient passer, il oublie oui, il oublie ça bon Dieu fait, quand y a rivé à Mara, il tombé plein. Il est venu, Dieu t'a gagné un lieu de repos réservé pour Elim. Il y a plein bon Dieu pas dit rien.
Et puis il dit Moïse purifier de l'eau à ba yo bwè. Kon ya yo bwè on vie de l'eau, yon vie de l'eau, purifier de l'eau ma terre. Dieu purifie pour le tamè, il fait le vin douce pour yo bwè. Les rivières à Elim, yon jwenn gen 12 sous l'eau qui était réservée pour chaque famille. Kon ya là les bon Dieu. Dans moment repoua Dieu vin dit Moïse expliquer peuple là pour moi qui bon Dieu mieux. Il dit bon OK, ouais peuple ça, dis-le mais qui bon Dieu mieux. Li commence vinn ba la loi. Li di men ni men caractéristiquement bon Dieu. Ba bon Dieu qui joue, l'en bévi nan mal propreté. Ouais moi même ba bon Dieu qui kon joue ak moun, ba bon Dieu qui kon nan blague avec moun. Ouais devant principe discipline moi ba l'en blague. Di Israël pour moi depuis bêtisé tout apprêté. Et si yo d'accord pour obéir tout a privé. On a finalement les Moïse fin ba yo principe ordonnance bon Dieu. Yo lè yo rive Kadès Barnéa. Ya le plein là, Dieu jige yo. Lè yo rive à Meriba, ya le plein, bon Dieu jige yo. Bon Dieu pa joué. Parce que gen ta balo. Chaque moun ki tande plus gen plus compte pour rendre. Et finalement Israël traversé. Yo jwenn Amalek, nou wè comment yo vainqueur. Nous pas prêter sous lui. Kounye a Pharaon Amalek forteresse de Jéricho. Donc roi Canaan c'est quatre ennemis Israël doit affronter pour lui rentrer en possession. Et ben de même quatre combats ça yo. Nous sont expliqué là chaque son image de youn nan monsieur ça yo. Image youn nan ennemi ça yo. Premier combat c'est image Pharaon, combat spirituel là. Les pouvins convertis. Et vieux démon ça, yon kampé chou qui t'éclairait. Plaisir dans le monde, plaisir femme, plaisir garçon. Kampé chou vin converti. Même Jean Pharaon, et c'est ça le fait, tap kembe Israël pour le bali. Les rivés dans le désert, voilà qu'on y a Moïse pour le faire face avec un Amalek qui paraît sous lui. Dans le désert, et Amalek. Sorti pour venir filtrer dans mi-temps Israël pour le détruire. Et finalement, pour Moïse, t'es vainqueur, faut qu'on y a même rété en lait. C'est sacré le combat contre le péché. Pour vainqueur, faut qu'on rété de la présence de Dieu. Pour résister. C'est dans la prière de la consécration, mais en lait. Finalement, combat, son combat met en l'air contre les péchés. Son combat présence bon Dieu contre les péchés. Quand a les messieurs ouais secret, ils gardent, ah on ils gardent ouais secret, c'est même Moïse qu'on et puis finalement, ils mettent Moïse chita, ils chacun be met en l'air. Wow. A fait une belle révélation ça. Secret, mais Moïse en l'air, mais en cas fatigué, faut que les gens qui pour aider Moïse kembe mea. Ah, comment vous parlez là, oui? En de l'évangile, la Bible est claire sur ça. Ou pas qu'à faire l'évangile ou même seul. Malheur à celui qui est seul. Pour résister, faut gagner équipe. Équipe solide, frère. Faut gagner. Pour résister contre un paquet de vieux malpropreté dans le monde, faut gagner équipe. Faut gagner compagnon de genoux. Faut gagner monde qui a connecté à vos sérieux. Pas vagabond ou vagabond, non? Pas adoté. Combat mené contre les péchés, c'est un combat genoux mais en l'air. Faut que moun gabe do. Et finalement, on combat. Et troisième combat, nous sommes parlé à ces forteresses de Jéricho. Mirai bien bâti. Finalement, Mirai ça li pas qu'à tomber sans la foi. Aïe son affaire, virer, faire on ni. Faire on ni pendant 13 fois. 13 fois. Et faire on ni pendant 13 fois. Et puis,
sous dernière foi pour son cri. C'est la foi. Finalement, m'a marché sous Goliath, c'est pas avec Zam, avec l'Éternel m'a chaviré Miraïza. Ça devant non? Ça que la foi pour me passer. Jéricho, lui impliquer la foi. Non, vie nous les chrétiens. Et que moun c'est en face combat ça oui. Son gros miraille devant pas eu espoir. Pour traverser, il dit bon son miraille d'après commentaire qui fait, il dit même trois machines qui a passé sous lui. On a oui. Tellement nèg fait miraille la solide. Bon on miraille comme ça qu'on doit vas-y. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes miracles. La foi. Aïe! Aïe! Tourier, gars, il est bataille. Gars, qui n'ont pas sous les. Et oh, nous suivons les traces. Que des dangers, que des dangers, que des travaux, mais que les saints d'âme, mais que les saints d'âme. Pour chavirer Mirage Jéricho, au besoin de la foi audacieuse. Pour chavirer Mirage Jéricho devant l'an, au besoin de la foi audacieuse. Aïe! Au besoin de la foi audacieuse. Pour traverser ça devant l'an. Sem fouem la soyea. Au besoin de la foi audacieuse. Nous la foi audacieuse fait même leur camper devant problème, non? Pendant que nous battons, nous allons crier. Ou chanter cantique. Quand il y a des problèmes qui devant, quand tout le monde battant, c'est crier ou va crier. Pour nous, nous allons mettre pour leur chanter cantique audacieuse. Regardez. Mon auteur, lui chanter un cantique. Comment vous comprenez, monsieur? Il y a des difficultés à camper devant. Waouh! Waouh! Il y a des difficultés à camper devant. On a mis tant de difficultés à bien aimer. Ou pas ta moun pas ta ou kawe souris sous les vous. Quand tu es moun, qui parle mal, qui critique. Il y a bien aimé ça parfois. Les m'gade li bam force. Sa femme t'a toujours demandé bon Dieu pour conserver la ville pendant deux trois titans pas connait pour deux trois jours parce que pendant le monde évangélique lié d'aime li bam force parce que les m'a regardé tout ça a dit sous lui et m'a ça a dit sous moi chaque les m'a et puis moi même bail me prend petit force ça pour ta mère lui même m'a sur parfois les a parlé sous lui quoi pour moi est-ce que li pa ta faibli même ou elle a frappé pirette et sa vie non ti gens vin a fait mime dit ah si monsieur a pas avancé comme ça là m'a pas fait bac non elle dit faut m'avancer yes pas qu'a fait bac gien des difficultés gien des sacs paraît devant bien aimé pour vaincre là dedans faut qu'on la foi audacieuse. Faut qu'on la foi audacieuse. Traverser, jeune garçon. Traverser. Qu'à comprendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre le niveau audace. David. Dans la vallée de Baka, histoire explique son valet qui charge avec problème. Bête sauvage et serpent venimé. Un paquet de bagages qui sont dans la vallée. Tandis que les saillants la courent de elle. Il y aurait les vallées, ça, on va les parler, ni gendlo, ni un chagrin bête sauvage, vieux serpent. On y a les, et ça, il s'est qu'elle, il part l'autre côté pour le passer, c'est dans la vallée.
Et finalement, il dit traverser la vallée, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est la foi audacieuse. Où tu as dit, flot mugissant, flot enfui, entoure-moi. Hey! Alléluia! Quoi qu'il en soit, paix infinie. Oh, jusqu'à là-bas. Flot mugissant, flot enfui, entre moi. Il n'est pas peur. La joie au cœur, bien-aimé, avancer. La joie au cœur, traverser Jéricho. Gardez par la foi, pour ouvrir Jonlé, muraille qui était campé devant l'Obabouel. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Pas découragé, fais bon Dieu confiance. Jeune garçon, pas découragé. Même le lève au bac à madame ne mangeait pas découragé. Il y a des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut placer lui qui l'a enrôlé. Yes. Le quatrième combat, n'a mené pour nous remporter le prix de la vocation céleste. Gagnons réalité. D'ailleurs, mais est-ce que mon monde fait ça pour moi? En nous lit avec moi dans Josué chapitre 5. Le verset 11. Josué chapitre 5, le verset 11. Dare mon moun l'île pour moi, s'il vous plaît, volontairement. Yon moun l'île pour moi. Yes. Est-ce que quelqu'un qui joigne? Moi tu allé? Gloire à Jésus. Josué chapitre 5 verset 11. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Yes. Des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. Yes, mettre capé là. Mes frères, mes sœurs, dans le quatrième combat, les chrétiens ont mené pour rentrer en possession, pris vocation céleste. Nous comparer la réalité, les Israël ont rentré en possession de Canaan. Et la réalité, on va le comprendre, l'on a rentré pour les chrétiens rentrer en possession de la réalité céleste. Ça a besoin de jouer. Il y a deux bagailles l'Éternel exige Josué pour le faire. Monsieur Bonjour, les Israël a rentré Canaan, les toutes nations, tout roi qui était sous terre, ils attendaient ça qui passe Jéricho, mais ils peur. Mais tout de suite, leur lit passe là, dans le chapitre 5, là, d'arrêter nous lit après, même la caille nous. Le chapitre 5, là, nèg yo peur, roi yo peur, mais l'Éternel, tout de suite, li pral baye Josué yon ordonnance. Il va dire Josué, il y a deux bagailles pour faire. Avant même ou rentrer en possession de Canaan. Il dit Josué, premier bagaille, c'est circoncis peuple là. Avait dit Josué a fait une autre circoncision. Puisque moun qui était circoncis, si qui était sorti en Égypte, peuple la même, qui était sorti en Égypte, yo mouri dans le désert.
excepté Josué avec Caleb. Mais, moun qui te fait dans le désert, moun qui peut avoir 20 ans, moun sa yo avant même yo rentré en possession de la terre promise, fok premièrement si consigno. Et circoncision, lui représente un jugement de la chair qui doit mettre de côté. Parce que circoncision représente la chair. Avec la chair, avec les mauvais désirs, ou pas qu'à rentrer en possession de privilèges l'évangile baou. Faut aussi considérer d'abord pour entrer en possession de sa bon Dieu vle baou. Sem frem, gen de bagay pour vivre de bon Dieu ou pas ka rentrer là-dedans avec les désirs de la chair. Faut aussi considérer. Yo la kanaran la pou, mais li exige pour si considérer. Faut si considérer. Retirer les désirs de la chair. Débrouillot pour entrer en possession. Ou pas qu'à entrer en possession de réalité bénie, mon Dieu, avec un gros gay qui fait moun bakabalavo. Faut craser, faut briser. Et souvent, nous qu'on met tête dans nos situations. Et par le fait que Dieu pas décidé de nous remporter victoire ça, pour nous gagner ça, il promet nous pour nous joindre, mais c'est nous bloquer tête nous. Chaque léon fait plus costroi, plus gonèg, li mande pour faire jouer en balle plus, il fait balle plus coup de mato. Chaque léon plus grosso modo dans le monde, ou plus baroque, ou prend plus temps en route. Il y a une réalité ou pas qu'à vivre. Chaque loi ou autre, compte sur étude, tout connaissance ou consomme marché. Il y a des réalités dans le monde où on ne peut pas vivre. On ne peut pas rentrer en possession de la terre promise. Fuck, si concision est faite pour vous. Et il y a des leurs, Dieu tellement veut si concision, il y a si concision au monde. Il y a des douleurs, oui. Et mais, les wap, vous comprenez, bon Dieu, chers, si vous avez goma, bon Dieu, laissez ça ou souffrez plus dans route. C'est descendre pour descendre. Il y a un monde qui n'a pas de stabilité, c'est la chair. Ou là, tantôt là, ou l'église là, ou tout partout. Ou vous marchez tout dans tout côté, dans toute gêne. Ou pas fixé, ou pour qu'on puisse rentrer en possession de sa bon Dieu, voulez-vous. Tout en ouais, ou toi tellement, ou pas qu'à quitter le monde parler de où, parce que tellement estimé t'es tout, ou monde qui parle si vous voulez mourir. Bon Dieu, ou pour qu'on rentre en possession. Aïe, jouk, gende le monde parle au mal, le ouais, monde qui parle au mal, le bal l'amé, ou dit le frère, c'est comment y avec tout cœur. Jusqu'à ce que bon Dieu, ou a prié pour le monde qui parle au mal. À tout cœur. C'est pour bon Dieu, qu'a ouais. Seul frère qui manque tout là, malgré cela que on remène. Si le beau caillou nous consacre pour rentrer en possession, faut s'y considérer d'abord. Faut s'y considérer d'abord. Et diable essayer dans le combat, ça, diable essayer pour le ouais, comment pour empêcher. Et bien, il mettait tout ça devant vous, mes frères. L'Éternel dit à Josué, s'y considérer. Avant de rentrer dans la terre promise. Et deuxième bagaille, li mande yo, fok yo nourri. Fok yo nourri. Nourriture ça, li c'est nourriture céleste en Christ. Donc, Jésus-Christ en tant qu'homme parfait, il vini comme pain bléa, que yo te mette dans lié saint, dans lié très saint.
là, alors dans les saints, pardon, côté de gagner un pain sans levain, c'est Christ, farine bléa qui passait par toute matière. Faut qu'on nourrit par lui-même dans l'humilité. Waouh! Faut qu'on nourrit l'humilité Christ en dedans. Faut qu'on nourrit la vie Christ en dedans pour mener combat ça. Pour vainqueur, pour rentrer en possession canaran. Bien aimé, bon, dit, il y a des gens là. Dieu a besoin d'aller loin avec eux. Bon, dit nous bien. Il y a des gens dans la génération ça. Les seigneurs veulent utiliser eux pour sauver mon empile nation. Mais qui te me dit ou va mettre tête ou en retard ou pour qu'on rentre en possession. Si premièrement ou pas si consi, si deuxièmement pas nourri. Il dit Josué avant même peuple à rentrer en possession, faut que si consi. Deuxièmement, faut que nourri. Mes frères, donc gagne un troisième bagaille, li mandé encore. Li mandé faut gagne un chef qui doit là. Faut gagne un chef qui doit là. Le regarde dans verset plus bas avant Josué rentrer Canaan et puis il paraît petit jeune aux anges avec on et puis ni l'amène. Et puis il dit mais qui est souillé? Il dit ou avec nous ou pas avec nous. Il dit ba ni un ba ni l'autre. Moi c'est chef l'armée de l'Éternel. Faut joindre un monde conduire. Faut joindre un monde conduire. Et c'est ça nous pas d'accord. Dans humilité pour nous connaître bon Dieu mettons monde pour conduire nous. La réalité ça pour qu'acheter en dedans ou pour qu'on rentre en possession. Ou pour qu'on rentre en possession. Faut un chef. Faut un chef qui vous conduit. Faut un chef qui vous conduit dans la terre. Chef l'armée de l'Éternel. On moun bon Dieu placé. Moun kap tandem, quel que soit koto ap tandem. Depuis, ou pa ka gade humilité face avec un moun bon Dieu placé, gen de réalité ben ou pa ka joindre nan bon Dieu. Fogon soumission, fogon tendresse, fogon affection pour un moun bon Dieu placé. Et finalement, José vient comprendre ce chef l'armée de l'Éternel, li kostene. Li koube. Humilité devant un monde qui vous conduit. Trois éléments clés qui sont importants pour nous rentrer en possession de Canaan. Faut qu'on s'y concise. Faut qu'on nourrit. Faut accepter un chef qui vous conduit. Et puis après, Josué va rentrer en possession de Canaan. Frère Mseb, n'a pas campé là. Matin, réalité que je veux comprendre de l'évangile, alléluia. Ou gen quatre grands combats ou ap mené en dans l'évangile. Et quatre grands combats sa yo, ou gen façon pour yé pour vaincre. Dieu li disponible et disposé pour l'aider ou. Mais c'est où l'aptan? Nous t'a remé vivre réalité ça yo. Gen pile homme de Dieu qui t'est vive qui t'est rentré en possession de la réalité bénie de Dieu. Apôtre Paul t'est rentré en possession ça. Il tellement rentré en possession, il rivé dans un moment, il campé, il dit, il ba un témoignage, il ravi, il percé troisième ciel. L'a tande parole inouï, parole ineffable. L'a pas avancé vers une sanctification finale. Ça est comme si pied on pied dans sanctification expérimentale là, sixième sanctification, l'autre pia dans sanctification finale là. Cela veut dire, li vin rive nan moment, paroles, oreilles, beaucoup tendez l'aptendel. Paroles, bouche, beaucoup parler, l'aptendel. Parce qu'elle rentre en possession. L'elle rentre en possession, l'ombrage li ap guéri moun malade. Nous besoin rentrer en possession. Je ne rentre en possession, bien-aimé, de sa Christ qui est dans la vie nous. Pas gen rien, Christ te fait nous pas qu'à faire. Christ voulait ça pour nous, il voulait rentrer en possession. Il dit même, Jean-Papa, me dévoué, me voyé, et ça dit à vous. Nous voulons rentrer en possession. En rentrer en possession, pas oublier qu'il y a trois éléments clés qui sont importants pour nous rentrer en possession. Il faut me reconnaître
m'a pas rentrer avec la chair, faut me dire comme si. Deuxièmement, faut me nourrir avec bon outil, avec bon pain sans levain, bon nourriture de la parole, bon enseignement. Alléluia. Grâce bon Dieu m'a nourri dans la grâce de Dieu. M'a quitté grâce à travail moi. M'a quitté grâce à forme même jusqu'à ce que me prend forme grâce là. Il aime fin prendre forme grâce là. Faut me reconnaître bon chef là mais de l'Éternel qui pour conduire. Faut m'accorder ma belle. Accord avec chef là mais de l'Éternel. Et après ça, m'a rentré en possession de Canaan. Et les m'entrer en possession de Canaan. Moi pral vivre yon grand présent. C'est plusieurs monde qui pote. Moi pral vivre terre côté l'état miel a couler. Alléluia. Moi pral vivre Christ la li réel dans vie. Moi pral vivre une série de bagailles en Christ que me te contenté déjà. Apôtre l'autre prophète tu te connait vivre. Dieu va changer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je voulais rentrer en possession. Nous voulons rentrer en possession. Dans le quatrième combat, c'est combat leader. C'est combat monde sérieux dans le bon Dieu. Combat agent du réveil pour nous rentrer en possession. C'est objectif nous rentrer en possession. Et nous voulons rentrer en possession de Canaan. Amen. Terre basse. C'est ça que je voulais dire. Terre fertile. Canaan. Moi, je voulais rentrer en possession. Moi, je voulais rentrer en possession par la foi. Pour me vivre, yon le. Bon Dieu m'a tant de parler, mais pour me vivre. Li. Bon homme qui était rentré en possession, ça, c'était Job. L'elfine rentré en possession, il dit, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oreille t'a vu. Yes. Et pendant que je rentre en possession, amen. Gen de bagay m'a vivre, ben Jacques Paul. M'attendons aux paroles, anjou a parlé. M'attendons aux paroles dans oreilles moins bouche pour qu'on parle ici bas. C'est rentrer en possession. Ma vive bon belle porte là. Pierre avec Jean, yo pral vivre. Jésus te fait, mais yo pral faire tout. Lève au marché paralytique. Si moi rentrer en possession de grâce et de puissance. Moi rentrer en possession de révélation. Alléluia. Même Jean-Paul est rentré en possession des révélations célestes. Ma vive, la puissance, la manifestation et la gloire de Dieu. Dans la vie, dans la vie famille, dans la vie l'église aujourd'hui. Moi vive ça. Je garde dans l'ombrage. Moi veux vivre la réalité ça. Rentrer en possession, réalité bénie. Dans bon Dieu, dans le troisième combat ça. L'homme va mener pour nous combattre roi sous territoire. Alléluia. Moun ki kembe l'évangile captif. En bas tout faux enseignement. Nous voulons vivre l'heure, yon réveil. Nous voulons vivre yon réveil. Et c'est un réveil qui pour faire nous rentrer en possession de réalité bénisa. C'est un réveil. N'aptan un réveil. Combien moun ki soif yon réveil? Nous soif yon réveil qui pour retirer honte qui plaqué dans visage nous. Bon Dieu nous en réel. Serviteur a dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Les nous entrer en possession, nous comprendre grandeur, bon Dieu, dans la vie. Jeune fille, c'est rentrer en possession pour faire le monde qu'on est, pour nous cacher. C'est rentrer en possession pour faire famille, bon, valeur, de deux baoua. C'est rentrer en possession qui pour faire pour nous cacher le monde qu'on est là. Et finalement, même international, là, il va parler de vous. Vous pouvez rentrer en possession, vous pouvez vivre la grâce de Dieu dans toute dimension, dans tout niveau. En nous avancer, combat à l'igrand, mais la victoire est acquise. En nous confier dans le bon Dieu. Davantage, le Seigneur Jésus livre nous pliquer mes cœurs. En nous continuer à faire confiance. En nous mettre confiance dans lui pour nous vaincre sur tous quatre grands combats que nous avons menés dans le monde. Parce qu'il y a grâce pour ça. Que le Seigneur vous bénisse.